Voici les 7 obstacles qui vous empêchent d'atteindre 8, 10, 12K de chiffre d'affaires par mois avec votre activité d'accompagnement. Avec Coleman Publishing, on a déjà accompagné plus de 600 personnes à dépasser ces blocages et à atteindre ce genre de chiffres, ou au moins avoir les bonnes méthodes, être sur les bons rails pour y arriver. On a remarqué que c'était vraiment systématiquement ces 7 mêmes blocages qui empêchaient d'avoir des résultats. Aujourd'hui, on va les voir les uns après les autres et on va les dégommer ensemble. Le premier obstacle, c'est les blessures. Attention aux petits bobos, là on parle des gros. Les blessures, en fait, ça se base sur un livre de Lise Bourbeau qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi » avec blessures de trahison, abandon, rejet, humiliation, etc. J'en oublie toujours un et c'est pas aujourd'hui que je vais le trouver. Globalement, ces blessures-là, qui se créent entre 0 et 6 ans, vont avoir des répercussions à l'adolescence sur votre vie d'adulte, mais particulièrement sur votre vie d'entrepreneur. Je prends toujours le même exemple. Imaginons une personne, plutôt avec des femmes à qui ça arrive, mais bon, ça pourrait être des hommes aussi, c'est pas le sujet, qui a la blessure d'abandon. Donc cette personne, elle est sûre, intérieurement, profondément, qu'on va la laisser tomber. Et donc tous les matins, elle empile son petit pyjama de personne abandonnée pour aller se confirmer dans le monde qu'elle va être abandonnée. Cette personne-là, elle est en train de vendre son offre et elle est en discussion avec un prospect. Elle attend la réponse de ce prospect. Ce prospect ne répond pas tout de suite, probablement parce qu'il a autre chose à faire et on lui a pas donné de deadline. Sauf que dans ce moment-là, cette personne va commencer à paniquer parce que le prospect ne lui répond pas et que ça vient rejouer sa blessure d'abandon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle se dit, je le savais, ça va être la même chose que d'habitude. Voilà, on va encore me laisser tomber. Donc cette personne-là, elle va envoyer un petit message au prospect. Et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis un mail, et puis elle va l'appeler, et puis un WhatsApp, et puis un DM sur Instagram, et tout ça en 36 heures. Bien sûr, j'exagère, mais c'est pour illustrer mon point. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête du prospect? Le prospect, il va voir ça, il va paniquer, il va se dire c'est quoi cette personne complètement malade qui m'envoie 27 messages en 24 heures parce que j'ai pas encore répondu à son offre. Donc, le prospect, il va dire, écoute, visiblement ça va pas le faire, je préfère qu'on s'arrête là. Et là, la personne qui est en train de rejouer sa blessure d'abandon, elle va dire, ah, voilà, je le savais. Et ça va venir confirmer un peu plus son point. En fait, avec sa blessure initiale, elle a créé des conditions de la confirmation de sa blessure une fois de plus. Et ça, c'est vrai pour les blessures d'humiliation, de rejet et toutes les autres. Globalement, vos blessures d'enfance vont rejaillir à un endroit ou à un autre dans votre activité, que ce soit dans la vente, dans le marketing, dans les relations avec vos collaborateurs ou dans les relations avec vos clients. Le problème avec ça, c'est que si vous n'avez pas fait une thérapie, si vous n'êtes pas allé voir un psy, si vous n'avez pas été coaché sur ces sujets-là, ça va vous empêcher à toutes les étapes de votre activité de gagner de l'argent, parce que vous allez créer les conditions de votre échec pour pouvoir confirmer dans le monde « Ah voilà, je le savais, c'est exactement comme je pensais ». Les blessures, c'est le premier obstacle qui empêche de gagner plus avec son activité et de développer des vrais revenus confortables dans l'accompagnement. Et si vous ne mettez pas un pansement dessus, et peut-être même un peu plus qu'un pansement, ça va vous bloquer dans toutes les étapes suivantes. Comment vous aidez vos clients à résoudre leurs blessures ? Notre job à nous, c'est pas de les aider à résoudre leurs blessures. Parce que c'est le travail de thérapeute, c'est le travail de psy, ou c'est le travail de coach spécialisé éventuellement. Nous, derrière, on va les aider à les identifier, on va leur montrer où regarder, et derrière, on va leur dire, voici avec quel genre de professionnel il faut aller résoudre ce genre de choses-là. C'est pas pour rien que je répète tout le temps qu'on a tous besoin d'un coach, d'un psy, et pourquoi pas quelqu'un qui nous aide sur des questions spirituelles, qui peuvent être une forme de spiritualité complètement athée, hein. La question c'est pas religieux ou pas, c'est juste d'une forme de compréhension du monde et de comment moi je m'incarne en tant qu'humain dans le monde. Et je pense que coach, plus psy, plus un guide de quelque chose, on en a tous besoin à un moment pour avancer dans la vie. Et nous, on s'occupe de la partie business, ça veut pas dire qu'on nie la partie personnelle, c'est juste que c'est pas à nous de la traiter, c'est pas notre métier. Et donc là, tu as pris l'exemple de voilà, les relances, etc., on a peur de se sentir abandonné. Est-ce que tu as d'autres exemples de blessures, de trucs qui peuvent bloquer chez vos clients, par exemple? La blessure de rejet, ça va se jouer à peu près de la même façon. La blessure de trahison, ça va se jouer avec des associés, avec des employés, ou pourquoi pas avec des clients qui vont nous trahir. En fait, globalement, chacune des blessures va se rejouer dans les relations interpersonnelles et va empêcher les ventes, va empêcher le management ou va empêcher des bonnes relations avec les clients. En plus de ça, tant qu'on n'a pas résolu ses propres blessures, on va projeter sur les autres et donc on va avoir l'impression que l'autre a systématiquement la même chose. Et donc en fait, en voulant l'aider, on va faire des erreurs. Ici, je grossis le trait, je fais des approximations et des généralités. Globalement, c'est pas mon métier, je suis pas thérapeute et je suis pas spécialisé sur les blessures. Je sais juste, pour avoir accompagné plus de 600 personnes là-dessus,
que c'est un point qui revient fréquemment et qui doit être traité pour pouvoir gagner plus avec son activité. Le deuxième obstacle, globalement, c'est les histoires sur l'argent, les histoires qu'on se raconte et tout ce qu'on amène dans notre entreprise qu'on a là aussi amené en général de l'enfance ou même de l'adolescence et qui nous empêche de développer notre activité, qui nous empêche de gagner plus parce que des choses qu'on a entendues et donc qu'on croit aujourd'hui dans l'enfance, à l'adolescence ou pourquoi pas à la vie de jeune adulte qui vont s'imprégner dans notre activité et il va falloir qu'on dégomme tout ça ensemble aujourd'hui. Le truc le plus commun, et on va commencer par celui-là, c'est les riches sont mauvais. Ça vient de la croyance que les riches sont méchants, les pauvres sont gentils, la vertu, le vœu pieux d'être pauvre, etc. L'église, tout ça, tout ça. Globalement, la croyance erronée ici, c'est l'argent rend mauvais, alors qu'en fait, l'argent révèle les gens. Et il y a beaucoup de gens dans notre société qui ne sont pas gentils, mais qui sont soumis. Et ces gens-là, quand on leur donne de l'argent, on enlève la soumission au reste de la société, et donc ils se révèlent être des parfaits petits connards. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens très riches qui sont des parfaits petits connards. Mais pour autant, on a aussi beaucoup de gens très riches qui ont fait énormément de bien, qui sont de très belles personnes. Et c'est pas que les riches sont mauvais, c'est qu'il y a autant d'humains mauvais que d'humains qui sont bons profondément en termes de valeur. Et statistiquement, quand on regarde le nombre de riches, on va en fait en avoir autant de bons que de mauvais. Sauf que les bons, ils sont discrets dans leur coin en train de faire leur truc, les mauvais, ils sont en train de faire énormément de bruit et de faire des saloperies, et donc on est persuadé que tous les riches sont mauvais. Et surtout, une personne qui a toujours été un bel humain, à qui on donne beaucoup d'argent et qui reste un bel humain, on va pas la remarquer. Alors qu'en fait, une personne qui a toujours été gentille, à qui on donne de l'argent et qui se transforme en parfait connard, ça va nous marquer l'esprit. Et c'est pour ça qu'on crée cette espèce de croyance profonde que les riches sont mauvais. Les riches sont pas mauvais, en fait. L'humain est partiellement mauvais, comme l'humain est partiellement bon, comme un lynx, c'est partiellement mauvais. Si tu donnes plus d'argent au lynx, il va pas être plus méchant. L'humain, c'est exactement la même chose. C'est juste que l'humain riche va être moins soumis aux règles de la société et donc va se révéler dans ce qu'il était vraiment depuis le début. Travailler dur pour réussir, c'est une croyance de l'ère pré-industrielle où factuellement, une unité de valeur était produite par une unité de temps de travail par l'individu, le travailleur. Et vraiment, c'est au sens Marx, le travailleur, le capital, tout ça, tout ça. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas obligé de travailler plus pour produire plus de valeur. Je donne toujours le même exemple. Je crée un post sur un réseau social. Au début, ça me prend 5 heures, ça m'emmène 0 client. Je m'améliore plus, je crée de l'audience. Au bout d'un moment, ça va me prendre 2 heures, ça va me ramener un client. Ensuite, ça va me prendre 1 heure, ça va me ramener 2 clients. 30 minutes, 5 clients. Et peut-être un jour, ça va me prendre 10 minutes et ça va me ramener 10 clients. On voit bien que j'ai travaillé de moins en moins pour produire de plus en plus de valeur, tout simplement parce que j'ai accumulé des compétences et de l'audience, et que donc, mon travail est de plus en plus valorisé. Et quand on comprend ça, on comprend qu'il ne faut pas forcément travailler plus dur pour réussir, il faut juste être meilleur sur un endroit où on a un effet de levier. Et le fait de « il faut travailler plus dur pour réussir », ça vient des endroits où il n'y a pas d'effet de levier, et où pour produire plus, il faut forcément travailler plus. On a aussi cette croyance qu'on a tous entendu dans l'enfance de l'argent ne pousse pas sur les arbres. Alors, factuellement, déjà, l'argent c'est du papier, le papier c'est des arbres, l'argent pousse sur les arbres, hein, mais bon, admettons. Admettons que ce soit pas ça. En 2020, on avait besoin d'argent, les États ont appuyé sur un bouton, et il y a de l'argent qui est arrivé. Ça s'appelle l'imprimante à billets, et je crois que le terme économique c'est quantitative easing. Globalement, ils ont imprimé, les banques centrales ont imprimé du pognon à partir de rien. C'est à cause de ça qu'on a de l'inflation d'ailleurs, hein, parce que la valeur de la monnaie a chuté. Factuellement, l'argent pousse sur les arbres. C'est juste que on n'a pas les bons arbres, nous, la plupart du temps. Et en fait, un entrepreneur, plus il avance et plus il se développe et plus il apprend à faire pousser les bons arbres, les arbres à argent. Pour l'instant, les arbres à argent sont détenus par les banques centrales et vous, vous avez aucun pouvoir là-dessus quand vous regardez cette vidéo. Maintenant, moi, factuellement, aujourd'hui, j'ai de l'audience, j'ai des compétences, je peux inventer une offre de mon cerveau n'importe quand. Et donc, en fait, à tout moment, à partir d'une idée, je peux faire un contenu qui va être vu par 10 000 personnes, 20 000 personnes, 50 000 personnes et je vais recevoir de l'argent en échange. Et j'ai des équipes qui sont capables de délivrer cette offre en plus. Si l'argent pousse pas sur les arbres, vous allez m'expliquer ce que c'est. L'argent pousse sur les arbres, simplement, vous n'avez pas les bons arbres et vous n'avez pas encore développé les compétences pour créer ces arbres à argent. Mais ça va venir. Pour un coach ou thérapeute, par exemple, à quoi ça pourrait ressembler de faire ce que tu viens de dire ? Pour un coach ou un thérapeute, si on veut faire pousser un arbre à argent, ça pourrait être simplement développer une audience sur un réseau social, exposer cette audience à du contenu pour qu'elle ait confiance en nous, et derrière, en fait, proposer une offre d'accompagnement éclair de 1 mois pour 5 personnes, à un prix qui soit intéressant, et en fait, à partir de rien, si ce n'est le métier qu'on fait déjà toute l'année, on vient de créer 5 000, 7 000 ou 10 000 euros, en fait. Et bien sûr, quelqu'un qui part de zéro, il peut pas créer cette somme-là comme ça en claquant des doigts, peut-être que pour lui, ce sera 100, 200 ou 500 euros seulement. Et c'est déjà très bien, en fait. C'est juste qu'à partir d'un peu de jus de cerveau et d'un peu d'audience, on peut faire pousser de l'argent.
Il y a une croyance qu'on voit souvent aussi, c'est « l'argent me brûle les doigts, je suis un véritable panier percé ». C'est des gens qui ont toujours beaucoup dépensé, qui n'ont pas appris ni à économiser ni à faire fructifier. Globalement, de toute façon, économiser ou thésauriser ou faire de l'épargne, ça ne sert pas à grand-chose aujourd'hui parce qu'avec l'inflation, on se fait grignoter notre épargne. Mais par contre, si on sait ne pas dépenser l'argent dans des bêtises, et encore une fois, bêtises, il n'y a pas de jugement de valeur. En fait, vous savez quand vous dépensez de l'argent dans une connerie ou quand vous vous faites plaisir et que vous avez raison de le faire ou quand c'est un bon investissement. On le sait tous. Moi-même, j'achète plein de conneries. Il faut juste le faire en conscience. Globalement, être capable de garder de l'argent pour l'investir dans un endroit où ça va produire des résultats, ça peut être de la formation, de l'accompagnement ou d'autres investissements. C'est pas à moi de vous dire lesquels. Mais être capable de garder cet argent et de le garder même sur son compte, de le regarder et d'être confortable avec, ce sont des choses qui s'apprennent. Et si on vous a répété toute votre enfance que l'argent vous brûlait les doigts, vous n'avez jamais appris, parce que vous avez accepté comme faisant partie de votre identité de « je suis comme ça », non, vous n'êtes pas comme ça, c'est une caractéristique de votre personnalité. Votre personnalité, elle évolue avec le temps et on peut arrêter ça à tout moment. Dernière croyance, je ne sais pas gagner de l'argent. Factuellement, en fait, je ne sais pas gagner de l'argent, vous avez probablement raison. Mais c'est pas quelque chose d'immuable. C'est quelque chose, on peut y mettre fin à tout moment. On peut apprendre. On peut apprendre de nouvelles compétences qui valent cher sur le marché. On peut apprendre à construire des offres. On peut apprendre à construire de l'audience. On peut apprendre à construire de l'autorité. On peut apprendre à faire du contenu. Et en fait, tout ça fait qu'on apprend à créer de l'argent. Et ça, tout le monde en est capable. Tout le monde n'est pas capable d'apprendre à gagner 1 million, mais tout le monde est capable d'apprendre à gagner de l'argent avec Internet, avec l'accompagnement ou avec d'autres choses. Et donc, encore une fois, ne pas prendre un moment, un instant T de votre personnalité comme étant votre personnalité pour toujours. Tout peut se changer, surtout le fait d'apprendre à gagner de l'argent. Le troisième obstacle qui vous empêche d'avoir les résultats que vous voulez, c'est les peurs. Des peurs, on en trimballe tous, on les trimballe aussi bien dans notre cerveau reptilien de façon ancestrale depuis l'existence de l'homme tel qu'on le connaît, mais on les trimballe aussi de l'enfance, on les trimballe de notre quotidien, on les trimballe d'un peu partout. Et à chaque fois que vous ancrez une peur qui vous fait flipper, ça vous empêche de réaliser quelque chose. La peur la plus évidente et qu'on va le plus voir dans notre activité, c'est la peur de la réussite. La peur de la réussite, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est si je réussis, je vais avoir trop de travail. Je vais être jugé par ma famille. Je vais juger ma famille. Je vais changer. On va moins m'aimer. On va trop m'aimer. On va me demander beaucoup de choses. Et plein de choses. Ou alors je vais devenir une mauvaise personne justement parce que je serai riche et que je vais réussir. Globalement, on a mis des peurs, des émotions et des idées sur ce qu'on mettait derrière réussite. Et en fait, on va s'empêcher, on va se saboter dans l'accès à cette réussite pour ne pas accéder à ces trucs-là. Et dans ces trucs-là, il y en a certains qui sont vrais. Si je réussis, je vais avoir plus de travail. Oui, mais vous aurez aussi plus de compétences et vous aurez plus d'équipes. Et moi, je dis toujours à nos clients, si le Jérémy d'il y a un an était confronté au travail du Jérémy d'aujourd'hui, il ferait une attaque de panique, il se cacherait sous la table. Sauf qu'en un an, j'ai grandi, en un an, j'ai appris, en un an, j'ai une équipe qui est plus large et qui peut mieux m'aider. Et donc cette peur n'a plus lieu d'être, tout simplement parce que je suis devenu quelqu'un de différent sur le chemin. Et en général, les peurs que vous avez, c'est vous qui essayez de vous confronter à un défi futur, alors que vous êtes encore la personne de maintenant. La personne que vous allez devenir au moment où vous serez confronté à ce problème, elle aura acquis de nouvelles compétences, plus d'expérience, elle n'aura pas peur. Et en fait, la peur de la réussite, c'est de se dire « Oh là là, je ne serai pas capable de gérer LVMH ». Mais ça tombe bien, il va te falloir 20 ans pour arriver au niveau de gérer LVMH. Et en 20 ans, tu auras grandi, en 20 ans, tu auras progressé, tu auras évolué. Et en fait, d'ici là, tu en seras peut-être capable. Ou peut-être pas, et ça tombe bien, tu n'arriveras jamais à ce niveau, et donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. La peur de l'échec, ensuite, elle se cristallise exactement au même endroit que la peur de la réussite. C'est si j'échoue, qu'est-ce que je vais penser de moi ? Qu'est-ce que ma famille va penser de moi? Qu'est-ce que la société va penser de moi? Peut-être que je vais être ruiné et que je vais être SDF. Et il y a plein d'autres trucs comme ça, de petites histoires qu'on vient se raconter sur la peur de l'échec, la peur de la réussite et toutes les autres peurs de manière générale. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ces peurs-là, elles viennent du cerveau primitif. Quand on se place 2000 ans en arrière, ou même plus que ça, à l'époque des hommes préhistoriques, si j'échoue, peut-être que je suis la risée de la tribu, et donc je suis ostracisé de la tribu. Et si je suis écarté de ma tribu à l'époque préhistorique, factuellement, je meurs, parce que j'ai plus de quoi manger et que je vais me faire bouffer par un animal. Sauf que notre cerveau, il n'a pas tellement évolué depuis cette époque-là. Et donc on a encore peur que l'échec égale la honte, égale le rejet de la tribu, égale la mort. Votre cerveau assimile l'échec à la mort. Et en fait, il n'y a qu'en vous confrontant à l'échec et en regardant que il va rien se passer, ça sert à rien d'avoir peur. Mais le dire, c'est pas utile. Le dire, ça vous fera pas progresser. Ce qu'il faut, c'est vraiment se confronter à l'échec, voir que l'échec
n'est pas grave et se dire « Ok, j'ai appris quelque chose de différent ». Les entrepreneurs ont tendance à dire que l'échec n'existe pas, blablabla. Si, l'échec existe. C'est juste qu'en fait, l'échec n'est pas important tant que ce n'est pas un échec qui est mortel. Et donc en fait, si l'échec ne vous met pas en banqueroute, alors c'est pas un échec. C'est un caillou dans la chaussure sur le chemin de la réussite. Et ça, c'est pas grave du tout. J'ai l'impression de tenir une b***e, quoi. Dans tout ça, vous allez aussi avoir la peur de la nouveauté parce que vous êtes confronté à des choses que vous ne connaissez pas encore et elles vont vous foutre très peur. Et c'est tout à fait normal. Vous allez avoir la peur du jugement, toujours pareil. Si vous êtes jugé, vous êtes ostracisé de la tribu, donc vous risquez de mourir. Et là-dedans, on va aussi voir la peur de la mort, la peur de la maladie. Toutes ces peurs qui, en tant qu'humain, nous ramènent vraiment à notre cerveau préhistorique et à un danger immédiat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, la peur, c'est les mêmes émotions que l'excitation. Et en fait, déjà, en prenant un peu de recul là-dessus, est-ce que j'ai vraiment peur ou est-ce que je suis excité? C'est la même chose dans les deux situations. En fait, c'est notre corps qui se prépare à réagir à quelque chose d'important. Si au moment d'une peur, vous avez une poussée d'adrénaline, la tension qui monte, etc., et des frissons un peu partout, c'est parce que votre corps se prépare au combat ou à la fuite. Si vous êtes surexcité d'un événement qui vous fait vraiment plaisir, votre corps se prépare à appréhender cet événement. Et en fait, c'est exactement la même chose. La peur, c'est une sensation relativement désagréable, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est votre corps, votre cerveau, qui se prépare au défi qui vous attend. Et si vous ressentez tout ça, c'est justement que vous êtes prêt, que vous y allez et que ça va très bien se passer. Le quatrième obstacle qui vous empêche d'avoir les résultats que vous voulez, c'est vos croyances. Et on a mis des menottes parce que vos croyances, elles vous emprisonnent et qu'on est fort en jeu de mots. Les croyances, il y en a tout un tas, elles viennent du marché, elles viennent du monde du travail, elles viennent de nos amis, elles viennent de vidéos YouTube, elles viennent de plein de trucs que vous avez vus un peu partout. Et on va prendre les principales et les plus critiques et on va les dégommer maintenant ensemble en quelques minutes. La première croyance, et elle est surtout très très présente dans les professions du care, c'est que vendre cher, c'est mal. Parce que il faut sauver les gens, parce que j'ai un don ça ne se monétise pas, etc., etc. Vendre cher, c'est mal, vient de la croyance qu'on vend cher, la même chose qu'on vendait pas cher, et qu'on le vend à n'importe qui, même s'ils n'ont pas d'argent. Et donc tous les gens qui n'ont pas d'argent, vu qu'on a juste x10 le prix de nos services sans rien changer, soit on les escroque, soit on ne peut plus les aider. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avant tout, augmenter son prix n'est pas juste x10 le prix de ce qu'on faisait déjà. C'est structurer nos compétences et ce qu'on savait différemment pour que la valeur perçue et la valeur induite soient plus élevées. Au début, je vends une heure de moi qui te parle et ça vaut 100 euros. Si je veux vendre 1000 euros, je ne fais pas juste une heure 1000 euros. Je fais une heure plus l'intervention d'un ami, plus un cahier d'exercice, plus 9 vidéos, plus une méthode pas à pas, plus un live de groupe en collectif. Tout ça ensemble, autour de ma compétence, vaut 1000 euros. Donc vendre plus cher, c'est pas vendre la même chose plus cher, c'est vendre autre chose qui a plus de valeur. Ensuite, on vend cher aux personnes qui ont besoin de nous, qui voient la valeur et qui vont tirer le retour sur investissement le plus élevé. Ce que je dis souvent, c'est que si vous êtes entrepreneur, sur le marché, vous devriez vendre très très cher à ceux qui auront beaucoup de valeur de ce que vous avez apporté. Vous devriez faire du bénévolat à ceux qui ne peuvent pas et que vous voulez sauver. En fait, tout ce qui est entre les deux, c'est mauvais pour votre entreprise, mauvais pour vous, mauvais pour le marché, mauvais pour tout le monde. Et donc, on laisse tomber. Vendre cher, c'est pas un problème, ça dépend qu'est-ce qu'on vend et à qui on le vend. Il y a une autre croyance, c'est « je ne veux pas faire comme tout le monde ». Ah non, ça je ne peux pas dire, quelqu'un l'a déjà dit. Ah non, ça je peux pas faire, quelqu'un l'a déjà fait. Alors, on est actuellement au moment de cette vidéo en 2024, ce sera probablement toujours vrai en 2030. Tout a déjà été fait. Tout a déjà été dit, il y a eu sûrement 50 personnes exactement comme vous qui ont fait exactement ce que vous voulez faire. Et si vous vous arrêtez là, non seulement c'est pas comprendre ce que les gens veulent vraiment acheter, mais en plus de ça, vous tirez une balle dans le pied, vous ne ferez rien de nouveau, il n'y a aucune chance. Globalement, les gens achètent qui vous êtes parce que vous faites, ou plutôt ils achètent la jonction entre qui vous êtes et ce que vous faites. Ça tombe bien, qui vous êtes c'est unique, il n'y aura jamais de personne qui sera exactement vous, il n'y aura jamais de personne qui parlera exactement comme vous, qui aura eu exactement vos expériences de vie. Et donc à partir de là, ce que je suis, ce que j'ai vécu, ce que j'amène sur le marché, c'est ça ma différenciation. Mais en fait, si les bouchers vendent de la viande et les primeurs vendent des légumes, ça sert à rien de dire moi je suis un boucher qui vend des tables, c'est parce que les gens veulent acheter, c'est complètement débile. Les gens veulent aller chez le boucher trouver de la viande. Quand ils vont chez un coach en développement personnel, en santé, en nutrition ou quoi que ce soit d'autre, ils s'attendent à trouver quelque chose de précis. C'est ça qu'ils veulent acheter. La différenciation vient de qui vous êtes. Le cinquième obstacle qui vous empêche de progresser, bien souvent,
c'est vos compétences. Et le sujet, c'est que si vous voulez développer votre activité et avoir des revenus, il va falloir apprendre à faire des trucs. Il va falloir apprendre à bricoler des trucs. Alors, heureusement, vous n'êtes pas obligé d'apprendre à mettre des clous avec un marteau. Si moi, je fais ça, je meurs. Je pense que je ne sais même pas changer une ampoule. Par contre, avec les années, j'ai développé des compétences qui me permettent d'avoir des revenus. Ces compétences, ça va être la vente, le copywriting, le coaching, et puis plus tard, en fait, le recrutement, la publicité et tout un tas de trucs différents. Les compétences, si vous débutez, vous en manquez cruellement. Et c'est complètement normal, et c'est pas censé être autrement d'ailleurs. Et vous allez en apprendre. Vous allez en apprendre d'abord en vous formant, ensuite en pratiquant, et ensuite en vous entourant de personnes qui sont comme vous, qui se sont formées et qui pratiquent. Ça peut être lire un livre par semaine, regarder des vidéos tuto sur YouTube, parler avec des personnes qui l'ont déjà fait, rejoindre des programmes d'accompagnement, des coachings, acheter des formations en ligne, aller dans des masterminds, aller à des événements. Globalement, vous allez devoir développer des compétences de vente, de marketing, de produits, ce qu'on appelle produit chez nous, c'est le coaching et accompagnement. Plus vous allez apprendre, plus vous allez pratiquer, plus vous allez valoir cher sur le marché, plus vous allez pouvoir dégager de revenus. Quelqu'un qui débute, en général, il a un manque de compétences, il a un gap de compétences. Et il va falloir remplir ce blanc pour être capable de développer son activité et gagner plus. Finalement, c'est quoi le plus gros gap? C'est sur quoi qu'il faut bosser en prio dans ce que tu as pu voir, toi? Dans ce que j'ai pu voir, le plus important quand quelqu'un débute, c'est la vente. Le problème de la plupart des coachs et des thérapeutes sur la vente, ils ont une vision erronée de la vente et ils sont persuadés que vendre, c'est convaincre l'autre, en fait. Sauf que à partir du moment où tu gagnes l'argument, tu perds la vente. Vendre, c'est coacher en prise de décision. C'est écouter, c'est aiguiller, c'est montrer d'autres chemins de pensée. Et c'est aider la personne à prendre la meilleure décision. Il y a trois règles en vente. Je suis là pour aider la personne à prendre la meilleure décision. La meilleure décision est très souvent, voire presque toujours, en dehors de sa zone de confort. Et j'ai conscience qu'elle va tout faire pour rester dans sa zone de confort. Si je sais ça, mon job, c'est de coacher la personne à bouger vers la meilleure décision pour elle. Quand je comprends ça, je développe une compétence de vente qui est différente. Et je développe une relation avec l'autre. Et je peux l'aider à voir de quoi il a besoin. Peut-être que ce ne sera pas mon offre, mais ce n'est pas grave. Et j'ai appris à faire bouger une personne dans une direction positive pour elle. Le marketing, la création de offre, le coaching, tout ça. C'est toujours les mêmes problèmes en fait. Les débutants, entre guillemets, ont un manque de compétences de ce côté-là, non pas parce que la compétence, ils ne sont pas en capacité de l'apprendre, mais parce qu'ils ont une vision erronée de ce que ça doit être. Le marketing, c'est pas pousser son truc comme un vendeur de tapis à n'importe qui. Le marketing, c'est mettre en lumière le bon produit face aux bonnes personnes. La vente, c'est aider les personnes et les écouter. Le produit, c'est créer le parcours idéal pour avoir des résultats pour un petit nombre de personnes très spécifiques, et ainsi de suite. Et en fait, le problème de compétences qu'on a bien souvent, c'est qu'on a une mauvaise compréhension de ce que ça devrait être. Une fois qu'on a compris, c'est très facile d'apprendre et c'est très facile de monter en compétences. Le sixième obstacle qui vous empêche bien souvent d'avoir des résultats, c'est votre vision. Je les ai pris à l'envers, je crois, parce que je vois que dalle. Ah non, c'est encore pire comme ça. Bref, visiblement, j'ai un problème de vision également. C'est votre vision et votre mission. Alors, la vision, c'est la vision de votre entreprise et votre vision personnelle. La mission, on va en reparler dans une seconde. Si vous n'avez pas de vision d'où vous voulez aller avec votre entreprise ou dans votre vie, c'est très difficile d'y aller. Il y a une erreur commune dans nos métiers, c'est de dire il faut une grande vision, une vision qui me dépasse, je dois vouloir sauver la planète et les bébés phoques. Rien à foutre. Quand vous débutez, votre vision, c'est où est-ce que vous voulez vous amener très égoïstement et à titre personnel, et comment votre entreprise va vous le permettre. Au fur et à mesure du chemin, votre vision va s'agrandir, et ce sera plus que vous, ce sera aussi votre famille, puis après votre famille, ce sera vos amis, et puis après vos amis, ce sera vos équipes, puis après votre équipe, ce sera plus de clients, plus d'impact et plus de gens. Et si vous vous sentez appelé par ça, au fur et à mesure du chemin, votre vision va s'agrandir et vous allez créer une vision d'entreprise qui vous dépasse. Au début, c'est pas important. Au début, il y a juste une vision pour vous-même, pour votre métier, pour gagner un peu d'argent, pour être à l'abri, pour être heureux. C'est largement suffisant. La mission maintenant. Il y a beaucoup de gens qui arrivent avec ces conneries de mission de vie. Alors, votre entreprise a une mission, c'est sa raison d'être, pourquoi elle existe et qu'est-ce qu'elle fait et pour qui elle le fait. Mais vous, en tant qu'individu, votre mission divine de mon cul, il va falloir arrêter avec ça. La mission de l'humain, c'est d'expérimenter son humanité, c'est de jouer à être un humain. C'est d'expérimenter le monde en tant qu'humain, incarné, machin, ce que vous voulez. Et attention, on est dans du spirituel au perché, hein. On se chauffe là. Le seul truc que j'ai à faire en tant qu'humain, c'est de jouer à être un humain. Donc en fait, je travaille, j'ai réussi. Je reste assis sur un arbre, j'ai réussi. Je vais sauver les bébés phoques, j'ai réussi. Et c'est terrible à dire, mais même si je pars faire du mal à d'autres gens,
j'ai réussi ma mission d'humain. Le rôle d'un humain n'est que de jouer à l'humain. Donc faut arrêter de s'inventer une grande mission divine de moi je suis descendu sur Terre pour sauver la planète. Non, tu es descendu sur Terre pour être un humain, tu es juste un humain comme les autres, le boucher est plus spirituel que toi. Arrête de nous emmerder avec la mission de vie. La mission de l'humain, c'est jouer à l'humain. La mission de l'entreprise, c'est quelle est sa raison d'être en tant qu'entreprise, en tant qu'organisme, pour produire un service dans la société. Une fois qu'on a compris ça, ça enlève quand même une grosse épine du pied et c'est surtout ça enlève un gros poids sur les épaules. Est-ce que faut définir sa mission d'entreprise dans l'idéal, sur quel horizon de temps faut se projeter? Au tout début, sa mission d'entreprise, c'est qu'est-ce que je fais et pour qui je le fais. Au fur et à mesure du chemin, comme la vision, tu peux créer une mission d'entreprise qui te dépasse et qui sera plus grande que toi. Quand tu débutes, ça sert à rien du tout. Le septième et dernier obstacle qui vous empêche d'avoir les résultats que vous voulez, c'est votre mindset. Et pour ça, on a un petit cerveau caoutchouc un peu dégueu que je suis très content de pouvoir manipuler, c'est très distrayant. Votre mindset, aujourd'hui, c'est un mot qui est très galvaudé, ça veut dire rien dire, on sait pas trop, je vais poser ça, c'est dégueu. On sait pas trop ce que c'est. Globalement, mindset, c'est état d'esprit. C'est juste et purement et simplement le logiciel cérébral avec lequel vous allez interpréter le monde qui vous entoure. Je suis face à un obstacle, comment je l'interprète? J'ai un problème, comment est-ce que je réfléchis? Je vis un truc cool ou un truc pas cool, par quel filtre je vais le regarder? Le mindset, c'est ça. Et derrière, on a fait un truc très américain, genre mindset, ouais, etc. Non, non, c'est juste votre philosophie, votre logiciel de pensée et vos cheminements tous les jours à travers l'existence. Et quand on dit qu'il faut avoir un bon mindset, ce serait par exemple de dire si j'ai un obstacle en face de moi, c'est pas grave, je vais être meilleur, je vais le contourner, je vais apprendre, je vais progresser. Et c'est ça un bon mindset, c'est rien d'autre que ça. Globalement, c'est une vision positive et en gratitude de la vie, de ses défis, de ses réussites. C'est de se dire, je suis un humain, je me lève insatisfait de ce que je veux accomplir, je me couche satisfait, plein de gratitude, j'ai fait de mon mieux, la vie est parfaite comme elle est, je suis là pour apprendre, ce sera plein de jours difficiles et c'est pas grave, ce sera plein de jours faciles et c'est pas grave, et en fait on s'en fout. C'est de se dire, il y a des jours où je vais me sentir comme une merde et c'est pas censé être autrement. Il y a des jours où je vais me sentir invincible et c'est pas censé être autrement. Quand je me sens trop fort, j'ai tort, quand je me sens nul, j'ai tort, et quand je me sens au milieu, j'ai tort, j'ai raison, ça dépend des jours. Le mindset c'est ça, le mindset c'est qui je suis et comment j'appréhende le monde, et c'est juste de lâcher prise sur mes petites croyances d'humain de à quoi le monde devrait ressembler. Comment je devrais me sentir. Il y a des jours où je me sens comme une merde. Et il y a des jours où vous allez vous sentir comme une merde. Et c'est pas grave, en fait. Et c'est pas un truc que vous devez absolument effacer. Peut-être qu'il faut juste le processer, il faut peut-être juste le vivre. Lâcher prise sur ça, la vie est bien plus facile. C'est quoi un mauvais mindset? Un mauvais mindset, c'est un mindset de bébé ouin-ouin, déresponsabilisé et qui serait dans le triangle de Cartman en permanence. Le triangle de Cartman, donc victime, bourreau, sauveur. Oui, moi et moi, on m'avait dit qu'on allait m'aider, c'est pas juste, je croyais que... C'est enlever toute responsabilité à l'individu. Et en fait, ouais, il y a des circonstances, et ouais, les circonstances sont pas de votre fait, mais comment vous, vous réagissez aux circonstances, c'est de votre fait. Et d'être en permanence en train d'attendre d'être sauvé ou d'être torturé par le monde extérieur, c'est une mentalité de victime, c'est le triangle de Cartman, et c'est pas un mindset qui va vous aider à progresser. Il n'y a pas de jugement, on a tous des moments où on est comme ça, mais être un peu en conscience de « si je fais le bébé ou un ouin, je risque pas d'avancer ». Et comment on change un petit peu là-dessus? Ou comment on s'aperçoit qu'on est là-dedans? S'en apercevoir, c'est apprendre à prendre du recul sur soi et à discuter avec les autres. Changer là-dessus va passer par psy, coach, thérapeute, mentorat, mastermind, programme d'accompagnement, un truc comme ça. Se confronter à des gens qui réfléchissent comme j'aimerais réfléchir. En fait, par effet d'exposition, je vais devenir un peu plus comme eux. On a vu ici les 7 obstacles qui vous empêchent d'avoir les résultats que vous voulez et de gagner 3000, 5000, 8000, 12000, 10000 euros par mois avec votre activité. On a parlé des blessures qui vous empêchent d'avancer, on a parlé de votre rapport à l'argent, on a parlé de vos peurs, on a parlé des croyances qui vous emprisonnent, on a parlé des compétences à développer, on a parlé de votre vision et de votre mission, et enfin, on a parlé du mindset avec le cerveau qui fait flouche. Vous n'allez pas pouvoir tous les développer en même temps, vous allez pas pouvoir tous les surpasser en même temps, et c'est pas grave. Prenez à chaque fois celui qui vous bloque le plus actuellement, c'est sûrement le plus inconfortable. Faites-vous aider sur celui-là en particulier, puis ensuite vous les développez les uns après les autres. De toute façon, c'est le travail d'une vie, vous n'aurez pas fini en 3 mois, c'est pas grave. Moi aussi, je suis encore là-dessus actuellement. C'est très bien, du moment qu'on en a conscience et qu'on essaye d'avancer, on est déjà en train de faire un pas dans la bonne direction. Une fois que vous avez passé ces obstacles, ou même si vous êtes d'ailleurs encore en plein dedans, il y a une question que vous posez peut-être, c'est est-ce qu'on peut vraiment gagner 10K par mois avec le coaching? On a fait une vidéo, je vous la mets là autour, je vous propose de regarder ça.